Ah bien le bonjour mes chers, désolé du retard. Ah, je tiens. Ça passe si vite le temps. Ça passe si vite le temps quand on a du retard. Oups. Faut que je regarde le retour aussi, avant de dire que c'est bon. Ouais, attendez, je vais mettre le retour. Hop, là j'ai oublié de ça. Du retard, mon PC voulait pas s'allumer. Ah. Du coup, bah. Huge, je pouvais pas jouer. C'est bon le. C'est bon Twitch, t'es pas en PLS? Twitch en PLS. Ah, désolé, bien le bonjour, ma chère. Du coup, on va continuer. Tranquillement. Non, pas là. Ouais, je me souviens, j'étais sur la route d'Emmy. Et l'animation, elle était moche! Mais alors, vraiment moche. Oh, je suis contente que tu sois vraiment venu. J'ai eu peur que ça puisse être une blague ou un truc du genre. Waouh, de quoi waouh? Là, tu me rappelles, faut que je me coupe les cheveux. Un peu devant, puis derrière. De quoi waouh, la main? Et comment tu vas, la main? Non, je ferais jamais le WC quelqu'un, c'est tout pour rien. Mais il aurait pu courir tout seul sans toi aussi. Et puis, en plus, Rin doit 500 yens maintenant. Elle pensait pas que tu viendrais vers moi. C'est vrai que les formes de. Comme c'est pour ces garçons, c'est un slogan. Tu sais, d'ailleurs, d'après une étude, ça montrait que les garçons à l'école avaient de moins bons résultats à partir du collège. Parce que en classe, ils seraient justement en train de mater les filles. Et du coup, suite à cette étude, il y a eu des propositions pour que les classes soient séparées entre filles et garçons, pour que les garçons ne soient pas tentés et ne soient pas amenés à porter leur attention à autre chose qu'au cours. Je sais pas où ça en est, mais voilà, j'avais lu cette étude il y a pas mal de temps. Je le savais. Voilà, il l'avait prévu ça. Voilà, hein. Pas mal, hein. Puis là, par exemple, on n'a pas eu. Encore plus drôle aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Il y a moins d'une semaine. Dans le gouvernement, on a eu le droit aussi. 3 gigas par semaine par personne. 3 gigas semaine par personne et on peut coder sur du papier. Il saute pour descendre des gradins et commence à s'étirer. C'est censé être des gradins là? J'ai pas compris. Les remarquablement souples. Ah ouais. Elle est remarquablement souple. Presque comme une danseuse. Je me mets en place pour m'étirer aussi. Mais je me rends compte que je ne sais pas vraiment comment. Bien m'étirer. Sao, t'as fait du foot. D'accord. Tu sais comment t'étirer. T'es allé en cours de sport. Du coup, vous en pensez quoi, le chat, de l'idée de 3 gigaoctets par semaine et de faire du code sur du papier? Vous en pensez quoi de cette méthode? Ça fait très longtemps que je ne suis pas étiré pour quoi que ce soit. Inter. Et vous êtes sûr que Isao, son seul problème de santé,
qu'il y a la fumée. Ouais. C'est par semaine, hein. C'est même pas par jour, 3 gigaoctets. C'est par semaine. Genre, mec, pour streamer, je dépense. Ah ouais, si le jeu il quitte, c'est normal. Pour streamer, je suis à 15 mégaoctets seconde. En bon. Voilà. Donc, je stream 1 minute 40. Ah non, pas 1 minute 40. Je stream 5 minutes. J'ai dépensé mon forfait. Salut Brice. Eh Brice, du coup, toi t'en penses quoi des 3 gigas par semaine pour Internet que quelqu'un a proposé durant une tribune du gouvernement? T'en penses quoi de 3 gigas par semaine par personne? Ah oui, elle a aussi dit qu'on pouvait coder sur du papier. Qu'on pouvait coder sur papier à la main. Bien sûr. Ça m'étonne pas, non? De personnes qui connaissent ça. Et du coup, je disais ensuite que les 3 gigaoctets, je stream 5 minutes, je ne les ai plus. Parce que je dépense. 3 gigaoctets, je dépense 15 mégaoctets seconde juste pour streamer. Donc en 100 secondes, je suis à 1 gigaoctet et demi. Donc en gros, 1 minute 40. Donc en 3 minutes 20, j'ai dépensé mon forfait de la semaine. D'ailleurs, s'il y en a qui sont curieux, de Wi-Fi, par mois, je suis genre à 2 ou 3 terras, je crois, de Wi-Fi par mois. Ouais, quand tu as brisé, sinon. Ouais, d'accord, elle a fumé. Mais en fait, c'est pas qu'elle a fumé, c'est juste qu'ils y connaissent rien. Non, mais Issao. En tant que quelqu'un qui n'a. Bah oui, je vais même pas bosser. La blague, c'est que je bosse au CNED. Mais mes cours, la plupart du temps, il faut que je les télécharge. Donc, en gros, je me connecte, je télécharge le devoir. Bah, j'ai plus internet. C'est vrai. Non, j'abuse. Un devoir, c'est peut-être. Ouais, non, ça va. C'est peut-être 15 mégaoctets. Non, en vrai, ça va. Ça va. Les cours du CNED, ça va. Non, non, on exagère. 3 gigas pour des cours au CNED, ça va. Du coup, je vais vous donner la stat exacte de combien ces 30 derniers jours j'ai dépensé de débit. Oh, ça va. Il y a un problème surtout. Il y a un problème. Ah, mais en fait, voilà. Elle a le bug que j'ai actuellement. Alors, je pense qu'il y a un problème. Désolé pour le jeu qui s'en est. Je pense qu'il y a un problème. C'est que là, je viens de regarder ma consommation d'après Windows. D'après Windows, je n'ai dépensé que 400 mégaoctets ce mois-ci. Alors, j'ai du mal à y croire. Parce que je l'ai téléchargé dans le jeu à 100 gigaoctets ce mois-ci. Voilà. Voilà. Sinon, pour revenir à ce que je disais sur Issao, je suis quelqu'un qui n'a pas fait de sport pendant. Attends, 13. Pendant 3-4 ans. Et j'ai pas oublié comment m'étirer en 3-4 ans. Hein. Et Issao, il arrête de faire de sport 6 mois, il a oublié que les étirements ça existait.
J'en ai pas fait 3 ans, 3-4 ans. J'ai pas oublié. Il oublie 6 mois, lui. Le spectre de mon long séjour. Non, t'es juste un tocard. Pour le coup. Ouais, putain. Non, mais il y a même pire que ça qui va disparaître. Genre tes vidéos porno, Brice. Petite vidéo porno, elle disparaît. Et voilà. Et la strat, une fois qu'elle aura compris qu'elle a dit un truc ultra con, la meuf au tribunal, elle dira: je ne me suis pas trompé. Mon idée n'était pas mauvaise. C'est la réalité qui n'est pas adaptée à mon idée. Alors, le plus drôle, c'est on peut programmer sur du papier. Non. C'est parce que spoiler, non. Enfin, tu peux, mais ça n'a aucun intérêt. Alors, je peux pas dire non plus que j'étais vraiment actif avant mon séjour à l'hôpital. Alors, je suis peut-être juste morose. M'y rit un peu alors qu'elle me regarde m'étirer. Ah oui, là ça par contre, ça oui. Non, et ça, tu dois rester en position plus longtemps que ça. Vous vous étirez combien de temps par jour, le chat? J'essaye, mais ça fait un peu mal. T'as un principe d'un étirement, quoi. Ça tire. Ah, c'est parce que tu n'es pas en forme. Tu dois trouver un peu de souplesse en toi, comme ça. Ah, donc le chat, ça s'étire combien de temps? Combien de minutes par jour? Elle vient de descendre, là. Ok. Je pensais qu'elle était partie faire autre chose. Ça m'aurait pas dérangé, mais je pensais qu'elle était partie faire autre chose en se baissant. Pour une démonstration, Emis, je pense, c'est pas sa tête entre ses jambes. C'est un attirement, ça? Je te garde. Mais c'est pas un attirement, ça. Il n'y a pas d'attirement, tu fais ça. Ça, c'est après t'être étiré. Ouais, c'est le genre de choses que je vais essayer de faire. Je crois qu'ils ont pas de connaissances de cours. Enfin, de sport. Après, ce sont des développeurs, donc ils sont jamais sortis de chez eux, mais. Ouais. Non, mais même, elle a donné un mauvais étirement. C'est pas un étirement, mettre sa tête sur son cul. C'est pas un étirement, c'est un exercice. Pas m'empêcher de remarquer que quand elle se demande comment expliquer certaines choses, elle se mord les lèvres. Un peu comme l'ancienne ministre. De quoi? Qui connaît pas son sujet? Les développeurs. Non, l'ancienne ministre, elle connaît pas le comment font les développeurs. Parce que elle est jamais allée travailler. Elle est ministre. Elle est jamais allée travailler? C'est adorable. Bah oui, c'est adorable. Un ministre qui travaille. Pas mal les Sao, faudrait nous commencer à courir. Mais en vrai, si vous êtes flemmard, si vous comptez faire que de la course, bah étirez-vous que les jambes. Voilà. Je vous fais le dos, les jambes et. Bah comment c'est qu'il y a un juste 1,5 km, d'accord. Attends. Et elles sont comptes pour quelqu'un qui a pas couru qui est cardiaque, 1,5 km. C'est long. Parce que moi je vois le compteur quand je cours. 1,5 km, c'est 10 minutes. Le mec est cardiaque. Il a pas couru depuis un an. Tu ne le fais pas courir 10 minutes. Ah, parce que je précise, je dis 10 minutes parce qu'en soi, ce serait 5-6 minutes. Mais le but, c'est de faire du cardio. Donc, ils vont pas courir à 10 km/h. Enfin, pas lui. Elle, si, mais pas lui. Ah. Non, non, non. Ah non, ah non, 1,5 km, ça fait 10 minutes, ouais. Ouais, à peu près. Un peu moins. Mais ils doivent... enfin, il n'a pas fait de course depuis longtemps, donc.
Non. C'est 4 tours de piste, d'accord, mais il les fera pas. Ça me semble bon. Non. 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 Non, non. Ça va pas être trop dur, hein. Si? On paraît qu'il va s'écrouler avant la fin. Un vague souvenir d'avoir couru 1,5 km en sport me vient à l'esprit. Ouais, c'était pas si dur. Ouais, quand t'es en forme, c'est pas dur. Il m'y part d'un rythme assez soutenu, je me retrouve derrière. Essaye de suivre, d'accord, Isao? D'accord. Mais t'es débile? C'est ultra frustrant parce que c'est pas réaliste. On passe le premier virage sans incident, bien que je sente déjà mon cœur accélérer légèrement. Second virage, je commence à respirer par la bouche, chose à ne pas faire. Amy ne semble pas fournir d'efforts. Normal, c'est un athlète. Je vais tout commenter parce qu'il raconte n'importe quoi. Comme pour démontrer sa supériorité, elle se tourne et commence à courir à l'envers. Est-ce que ça va, Isao? Mec, ça fait 2 minutes que tu cours même pas. Jamais été mieux. Oh vraiment, peut-être que je devrais accélérer. Tu sais, si tu veux vraiment tuer Sao, genre prends un couteau et tranche-lui la gorge, quoi. Ça sera tellement plus vite. Genre vraiment, c'est le but, c'est de le tuer. Oh non, je ne voudrais pas que tu t'épuises. Ah mais Isao en plus continue de parler en courant, genre c'est les pires idées au monde. Normalement là Isao t'es mort, voilà. Isao normalement t'as fait 200 mètres, t'es mort. Voilà. Parce que 200 mètres en parlant, en étant cardiaque, sans faire de sport depuis un an et demi, il est mort. Toi, le chef, c'est bon. On va rester à ce rythme. Je t'entends qu'on se moque de moi. Si je n'étais pas en si mauvaise condition physique, je serais probablement vexé. Du coup, tu m'as pas dit la masse avant. Pareil, Brice, vous m'avez pas dit. Au troisième tour. Non, mais il a pas tenu, hein. IRL, il tient pas. Hein. Mais je trempais de sueur dégoûtant. Alors, je trouve pas ça dégoûtant, perso. J'aime pas. Moi, quand c'est ma propre sueur qui est sur moi, je trouve pas ça dégueu, mais j'aime pas. Mais on prend la première courbe du quatrième tour et met sur ton pour me voir. Il change sur un narquois. Et c'est parti! Ça brise d'ailleurs le bateau. Ça part à une vitesse phénoménale. Je reste conscient, mais rien te lent. Au moment où je finis la courbe, elle est déjà à la deuxième. Alors que je suis à la deuxième ligne droite. Amy continue de courir et me rattrape. Allez, Sao, tu peux le faire. Je le répondrai bien, mais je suis trop occupé à remplir mes poumons d'air et ignorer les brûlures musculaires dans mes jambes. Une partie de moi veut dire quelque chose, peut-être que tu peux, mais je suis sur le point de mourir là. Isao, là actuellement, ce qui court, ce n'est pas toi. Il y a ton cadavre qui est quelque part au milieu de la course. Et c'est ton fantôme, ton âme qui est en train de courir. Mais tu es mort, Isao. Mais reste à mourir. Je finis le second tour et franchis la ligne d'arrivée. Son sprint semble l'avoir fait transpirer. Ah, elle est partie intéressante. Ce qui rend son t-shirt légèrement transparent. On dirait qu'elle porte un soutien-gorge de sport. Mon salaud. Pour quelle partie? Pour cette partie-là, là? Ou le fait que ça aussi un cadavre. Ou le bateau. Oui, pourquoi? Cette partie, point A, enfin point 1. Le bateau, point B. Et cette partie. Ok. Après, il n'y a pas tort. Hein. Après, on n'appelle pas ça un soutien-gorge en français de sport, mais. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est. Une brassière, voilà. Un soutien-gorge de sport, ça s'appelle une brassière. Enfin, je crois. Hein. Attends. Vraiment, vraiment, la lingerie féminine, c'est pas ce que je connais le plus.
Oui, c'est une brassière. Oui, c'est ce que je disais. C'est une brassière. Moi, je préfère des brassards. Brice. Est-ce que tu... Sur ton brassard, il y a du rouge et du noir. Pour mettre ton téléphone. Oui. Pour mettre le téléphone, bien sûr. Enfin, tu sais, dans une brassière, tu peux aussi mettre ton tel. Hein. Enfin, j'ai pas essayé, mais pour moi, tu peux. Hein. Je me sens légèrement coupable à l'idée d'être le genre de gars qui regarde la poitrine des filles. Et mes jambes et ma poitrine me brûlent tellement que je m'en préoccupe peu. Donc le mec est sur le point de crever. Le seul truc qu'il trouve à faire et à penser, c'est... Oh putain, on voit ses seins. C'est rare le seul truc qu'il pense à faire. Pas mal pour un premier effort. Ça... Non. Ah ouais, l'esprit perverti. Gentil à toi de dire ça. Du coup, il y a... Elle est rouge et noir, ton... Il est rouge et noir, ton brassard, oui. Mais il semble être, même si ce n'est pas vraiment essoufflé, au moins en train de respirer plus fort qu'au début de notre course. C'est dû au sprint qu'elle a fait. Maintenant, Isao, maintenant que t'as couru, genre... En fait, j'arrive pas à savoir. Parce que si t'as couru à 7 km/h et demi, 8 km/h, il t'a fallu 12, 13, 14 minutes pour 1 km et demi. On va dire 15 minutes. Et dans ce cas-là, t'es mort parce que t'es cardiaque et que t'as pas fait de sport depuis un an. Soit t'as fait ça en 10 minutes et t'as couru à 15 km/h. Et dans ce cas, je te réponds, t'as pas couru. T'as pas couru depuis un an, t'es cardiaque, t'es mort aussi. Donc, je ne sais pas comment t'as fait, Isao. Parce que si t'as couru à 15 km/h pendant 5 minutes, tu es mort. Et si t'as couru à 7 km/h peu dans un quart d'heure, t'es mort aussi. Donc je ne sais pas comment t'as failli savoir. Tu... Voilà. Et, tu... et si tu vas moins vite que 7 km/h et demi, t'es en train de marcher. Voilà. C'est... Je sais pas comment t'as fait. Ah. Mais du coup, maintenant que t'as fait tes 15 minutes à 7 km/h et demi, on attend 15 minutes de vélo, 15 minutes de... comment ça s'appelle ? De rameur, et si possible, tu fais ça 3 fois. Voilà, comme ça, tu bosses bien ton cardio. Non, tu fais ça qu'une seule fois. Ah, là, un bon conseil. Marcher après l'effort. Tu devrais marcher dans de la piste pour te refroidir. Tu en tireras, on aura fini, d'accord. Ça me semble bien. Non, Isao, t'es mort. Je sais pas, t'es mort, Isao. Mes jambes sont en feu et ma respiration est encore forte. Mais étonnamment, mon cœur semble bien supporter l'effort. Un autre triomphe de la médecine, j'espère. Ouais, ouais. J'ai jamais entendu ça. Moi, on m'a plutôt dit détends ton corps en marchant plutôt que mets les mains derrière la tête. Mais... C'est bien, je peux donner des conseils de sport. Mais de vrais conseils, pas comme dans le jeu. C'est surprenant, mais elle a raison. Je commence à marcher le long de la piste, content de récupérer mon souffle. Je suis recommandé alors qu'Emile passe en sprintant à côté de moi. Il est joli l'effet. Regardez. Oh, ils nous le refont pas? On n'a pas le droit. Le regard avec votre corps est vraiment fascinant. Ce n'est pas juste parce qu'elle est sur des prothèses, bien que ce soit intéressant. Et la même chose dans son sens. Et la façon dont son visage change. Quoi. Je peux voir que de vrai instant, quel con, mais ses yeux sont souvenirs d'une grande joie. Bah, elle change. Je vais arrêter de tout relever.
C'est comme s'il n'y avait rien d'autre dans le monde que la piste et elle. Moi, je connais une autre piste. C'est une ligne droite blanche. Appelle un rail aussi. Au moment où j'arrive à la dernière courbe, Amy semble avoir fini sa course. Elle a le souffle court maintenant, mais elle affiche un sourire satisfait sur le visage. Elle me fait coucou de la main alors que je m'approche d'elle. En tant que quelqu'un qui court, non. J'ai envie de crever à chaque fois que j'ai fini. Donc tant. Bien en fait, ouais. Je vais faire un autre tour avec moi, je dois descendre le rythme aussi. Du coup, tu marches. Parce que moi, bien envie de s'asseoir et de ne pas bouger. Ça, c'est tellement réaliste. Ça, c'est le réalisme à son paroxysme. Mais quelque chose je me dis que ce serait une mauvaise idée. Si je me sens, je ne suis pas sûr de me relever. Reste allongé. Ouais, pourquoi pas. Et il met ses mains derrière la tête aussi, ce qui donne l'air très détendu. Puis si bien soulève légèrement son... C'est un putain de pervers dans toutes les runs. Bon, au moins là, c'est sur la personne de la route. C'est pas sur la pote de sa crush. La fusion de ses bras soulève légèrement son t-shirt, ce qui me permet de voir une fine bande de son ventre. Je fais non mieux pour agir comme un gentleman et ne pas regarder, mais le contraste entre sa peau et son short rouge attire vraiment l'œil. Alors comment tu te sens, Issaou? Étonnamment bien, en fait. J'ai mal et je suis fatigué, mais étonnamment bien. On enlève juste la dernière partie de la phrase. On enlève ce qui est après la mais. Il y a juste le mais. Il n'y a pas de suite. Surtout que je dis ça, je réalise que c'est vrai. Non, non. Ouais, j'ai aussi envie de m'allonger et de mourir, mais j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Le seul qui a envie de crever à chaque fois qu'il court. Hein. Et qui ne ressent aucune satisfaction. C'est presque comme une lueur dans tout mon corps, hein, qui persiste malgré la douleur. Ouais, c'est la drogue du cours. Non. Mais ça s'appelle pas comme ça. Je crois même pas que ce soit l'adrénaline. Fake news. Je crois que c'est... l'hormone du plaisir qui est relâchée. Ça s'appelle comment? Attendez. Hop. C'est la dope. Attends. C'est la dopamine. Bah, j'avais oublié. Je voulais une si tu veux savoir. Brice. J'ai envie de te dire, va crever IRL. Tu ne joues pas Elena et j'espère que comme IRL, tu te prendrais une immense torpille des bombardements. Voilà, comme IRL. Tu te prendras un Pearl Harbor comme IRL sur le Elena, puis une torpille et tu resteras au fond de l'eau. Voilà. Elena réfléchit un moment, alors que nous marchons essayant de se rappeler. Puis il hausse ses épaules et sourit. Je ne m'appelle pas en fait, mais c'est une sensation agréable. C'est ça les packs. C'est un bateau de merde, d'accord? Tu mérites de rester au fond de l'eau. Et ça n'a aucun sens. Ta cadence de tir, tu la divises par 10. Hein? Et ensuite, tes dégâts, tu les diminues de moitié. Et là, t'as un truc réaliste. Voilà. Je suis désolé. Quoi? Alors... Pardon. Je suis au début de la run, hein. Je suis un peu peur en fait, mais c'est une sensation agréable. Mieux que le sexe, hein. Quoi? Ça... Ouais. D'accord. Bon, d'accord, Rémi. J'ouvre la bouche pour répondre à l'homme d'avoir enregistré ce qu'il vient de dire. Il me regarde dans le visage qu'il se sent d'éclater de... Désolé, désolé. Je n'ai pas pu résister, tu es juste trop prévisible. Je suis sûr qu'elle est vierge en plus. Hein. Ouais, j'ai accepté de courir avec toi déjà. Amy ne fait que rire encore plus fort. Elle m'attrape le bras et le tourne. Lui permettant de bien voir maman. Son visage change dès qu'elle voit l'heure. Oh non, pas mieux de se dépêcher, Issaou.
Du coup, Brice, tu t'es pris une torpille, j'espère. Mes cours commencent dans 1 heure et je dois prendre une douche. Quoi? Mais t'as le temps. Genre une douche, c'est 10 minutes, grand max. T'es mort, c'est ça, Brice? Une douche, c'est 10 minutes. Le temps d'aller, on va dire, le temps de faire le trajet. T'en as pour 20 minutes, il te reste 40 minutes. Je vais voir. Enfin, peut-être qu'il y a une note pour mon retard. Mais tu dois juste prendre une douche. C'est pas 1 heure, hein. Pourquoi est-ce que tu dois voir l'infirmier? Ah. Il n'y a pas besoin de vérifier s'il n'y a pas d'irritation. Ça doit être chiant. C'est à cause de la transpiration et de la friction. Du coup, Brice, tu peux répéter et dire que t'es mort. Ça me ferait plaisir. Normalement, je vivais seulement après l'entraînement, mais si on fait ses courses matinales, alors je devrais aller le voir 2 fois par jour. Attends, donc, Emine a commencé ses trucs matinaux que depuis que je suis là. Ouais, nos amis tôt. C'est plus pratique pour toi qu'on court ensemble plus tard. Ne sois pas bête. Je voulais courir depuis le matin, un moment déjà. Mais si je n'ai pas de partenaire avec qui le faire, j'aurai plus de mal à continuer. Donc reviens, hein. C'est toujours plus... Tu l'as déjà dit, ça. Je serai mon partenaire de course tous les matins. C'est dur de faire ce genre de personnalité à l'oral. J'en ai marre d'être malade. Putain, Mathieu était malade 1 semaine après moi, il est déjà guéri. Horrible. On a tous les deux besoin d'exercice. De l'exercice, alors ça s'arrange bien, tu ne crois pas? Ouais, c'est parfait. Après, t'as mentionné du sexe. Hein. Je donne ça vraiment au hasard. On peut peut-être changer d'activité. Hein. C'est toujours cardiaque, toujours sportif. Ben, propose. Mais il fallait que ce soit moi. Je veux pas trop me plaindre non plus, c'est assez fun d'être avec Kevin. Un ordre du docteur. Non, c'est pas un ordre. T'as raison, j'ai besoin d'exercice, c'est un ordre. Si t'as reçu une notice impériale, une mise en demeure, ou t'obéis au docteur. Les festines de la mort en guise d'au revoir. Bon, j'y vais. Viens manger avec nous ce midi. J'arrive pas à faire les voix. 2 jours de personne. Parce qu'elle donne trop d'énergie. Et j'ai pas trop d'énergie à donner. J'ai pas d'énergie, je suis un mollusque. Quoi? Le midi, tu sais, quand tu manges, au milieu de la journée, viens manger avec nous. Où ça? Bah, sur le toit. Ouais, voilà. Quand? Bah, ce midi. Ouais, mais je ressentais le besoin de faire préciser sur les 3 détails. Ouais. Une souris, mais rien. Je crois pas que j'avais une fille. Sourire autant. Pas mal, Isao. À plus. Et je n'ai plus de voix. Je vais mourir. Sur ce, ma voix part comme une fusée en direction de je sais pas où elle est partie. J'imagine qu'elle va voir l'infirmier d'abord. Je me dépêche de retourner dans ma chambre et vais à la douche, où je découvre que l'eau prend un moment à se réchauffer. Kenji, Kenji. Le choc de l'eau froide me tue presque. Kenji. J'ai à faire chauffer l'eau, tant bien que mal, et profite d'avoir les muscles détendus. Mon cœur, étonnamment, ne semble pas perturbé par la course. J'imagine que c'est une bonne chose. Même si je me sens un peu comme une mauviette. Je veux dire qu'au moins j'aurais une excuse là de je ne suis pas en forme si mon cœur me causait des soucis. J'imagine que je vais devoir continuer de courir si moi Amy ne me lâchera jamais. Seulement après m'être sorti de la tête, être sorti et m'être séché, je réalise qu'il ne me reste que 10 minutes pour m'habiller et aller en cours. Attends, mec, t'es resté 40 minutes sous la douche? Ce monde, ils sont faussés. Zut. Ah oui, zut. Ziggy de Lorient, je me libère enfin de l'ennui d'un autre cours dénué d'intérêt. Me lever de ma chaise, c'est plus difficile que je le rigole. En fait, ils alternent entre ultra réaliste et ultra bullshit. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des douches de 40 minutes? Si oui, il y a un problème. Ou si oui, vous faites autre chose que vous douchez. Voilà.
soit vous n'êtes pas en train de vous doucher sous la douche, je rajoute pas de précision sur ce que vous faites, soit vous avez un problème. Mais c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Le bruit de ma chaise, ça va être plus difficile que je n'aurais cru. Mes jambes me tuent à cause de ce matin. Peut-être que faire ça avec Emmy n'était pas une si bonne idée après tout. Bon, ça fait pas mal aussi longtemps, hein. Après, t'es censé être un cadavre, donc. Cela mis à part, courir m'a donné une faim de loup. Ça, je confirme, par contre. Je suis à mi-chemin de la cafétéria. Quand je me rappelle que j'ai déjà un repas avec. Les parents ont pensé que me donner des plats tout prêts pour mon emménagement serait une bonne chose. J'apprends ça là. Quoi, un peu d'étudiants se dirigeant vers la cafétéria. Attends, mais du coup, si ses parents, quand ils l'ont déposé, ils ont donné des plats. C'est-à-dire que ça fait une semaine qu'il est en train de bouffer à la cafétéria quand il a des plats préfaits qui l'attendent. Il veut manger des trucs périmés. Et dans l'autre sens, c'est comme nager à contre-courant, mais j'ai rendez-vous sur le toit. Ça peut pas se tenir au Japon. Il faut moins pour trouver les escaliers menant au toit, mais je suis prêt à parler qu'Emi et Rin sont pas encore là-haut à cet instant. En fait, je crois que j'ai vu Emi parmi les gens se dirigeant vers la cafétéria. Je passe l'entrebâillement de la porte et prends une grande inspiration. L'air frais me passant sur le visage et le corps me fait presque oublier la douleur que j'ai aux jambes. Que si je suis à l'envers. Quoi? Ah oh, là. J'ai mal aux jambes. Et si j'étais à l'envers? Pas surpris que Rin soit déjà là. Qu'est-ce que ça changerait? Des trucs dans les nuages. Continue. Tu pourrais pas juste les regarder à l'endroit? En vrai, c'est une tour intéressante pour les nuages. Rin roule des yeux dans cette approche des expirations. Ouais, je suis d'accord avec Rin, hein, sur la perspective. Dans ce cas, je n'aurais pas de nouvelle perspective. C'est un boulet. Non, t'es juste un boulet. Tu l'as pas eu par surprise, t'es un boulet. Tu as raison, tête de côté. Ah, intéressant. Alors que Rin s'allonge sur le banc pour regarder le ciel, j'abandonne. Heureusement, Emmy choisit ce moment pour exploser la porte avec deux sacs dans les mains. Moi, Rin, je te propose une autre idée. Tu prends une photo et tu tournes ensuite ton appareil photo. Enfin, t'es en 2012, donc tu prends ton... comment ça s'appelle? Ton Polaroid, voilà. Tu prends la photo et ensuite tu fais tourner la photo dans tes mains. Ça marche aussi bien que se tourner IRL. Heureusement, Amy choisit ce moment pour exploser la porte avec deux sacs dans les mains. La presse fait sauter les gonds. Dès si jouer était longue, il y avait une tonne de personnes dans la queue. J'arrête les blagues. Elle pose le premier sac devant Rin et s'assied sur le banc à côté d'elle. Tu jettes aussi le repas de Rin? Des fois, ouais, je demanderais bien à Rin de me rendre la faveur, mais je sais pas trop comment elle porterait tout ça. Et puis je ne ferai jamais manger. Oh. Si Rin est offensée par le commentaire d'Emi, elle ne le montre pas. Emi renifle comme si elle allait pleurer. C'est un gars, toi. Clairement. Pas sûr qu'elles ne font que plaisanter ou c'est juste à l'ébut d'un crépage de chine. Elles ont pas de chine. Les deux filles se fixent du regard pendant quelques instants tendus avant de se mettre à sourire. Dis, Amy, tu crois qu'être à l'envers de nouvelles perspectives aux choses? Oui. Je n'ai pas déjà eu cette conversation avec elle. Et Isao, parler d'une chose avec plusieurs personnes donne une nouvelle perspective. Amy semble pensive, semblant prendre la question au sérieux. Je crois que je prends trop le jeu au sérieux aussi. Après une longue et profonde pause, elle part. Aucune idée. Au moins, elle est aussi perdue que moi. Vous êtes des attardés. Vraiment. Ah, vraiment. Genre, en plus, on voit qu'elle est en mode « je comprends pas ». Non mais... Rassurez-moi le chat, hein. Je suis le seul à être je suis pas le seul à être exaspéré quand même.
t'es sûr? Brice? 1000 points, t'es sûr? T'es sûr qu'il te reste 1000 points, Brice? Comment ça, 1000 points, Brice? Ouais, il me reste. Ouais. Ouais, il me reste 25 000. Si tu joues vers minuit, je serais peut-être là. Dis, ça va, tu fais un compte d'athlétisme. J'étais même pas au courant qu'il y avait un grand compte. Les questions sortant de nulle part me prend par surprise. Je sais pas encore. Maintenant, Esaou, après tout le mal que je me suis donné, va te laisser courir avec moi ce matin. Tu viendrais même pas à une rencontre d'athlétisme. Ce n'était pas elle qui m'a demandé de courir avec elle. En fait, elle m'a pas vraiment donné le choix. Attends, non, j'ai pas dit ça. Elle s'est comme si je venais d'accepter de lui donner 1 000 000 $. Alors tu viendras, c'est après tout. C'est super! Elle est manipulatrice. J'ai pas dit ça non plus. Ouais, mais c'est trop tard. J'ai réussi alors, je m'assurais de sa venue, Amy. Anne-Nérine. Peut-être qu'on pourra apprendre à manger ou quelque chose du genre après la rencontre. Ça me ferait sourire qu'Amy. Pas par L2, plus par une force extérieure, me poussant irrévocablement vers ma destinée. Ou peut-être que je devrais pas lire de livres qui parlent autant de conspiration, sinon je vais me faire. Je vais finir par parler comme Kenji. Enfin, j'imagine que je n'ai pas d'autre choix que d'y aller maintenant. Je serai pas là. Arnaqueur. Je sais pas, je pourrais supporter de les décevoir toutes les deux. Si. De toute façon, t'es une déception du début à la fin. Hein. Je veux dire, t'as déçu tes amis, ta famille, ton amoureuse, tes parents. T'es plus à deux filles près, hein, ça vaut. C'est quand déjà? La semaine prochaine, bêta. Je te dis, il y a quelques jours. Un gros con. Non, c'est faux. J'ai oublié. Bon, tu ne voudras pas de venir. Hein. Bien sûr que non. Je mettrai même une note sur le calendrier. Rin hoche sagement la tête. C'est probablement une bonne idée, tu sais. Sauf si le temps change son cours. C'est possible, ça? Rin hausse les épaules sans conviction. De toute façon, le temps n'est qu'une question de perception. Hein. Déjà, faut savoir qu'à force de... T'es une arnaque, Brice. Je m'offre un compte premium durant un an. Du coup, faut savoir que comme... se rapprocher de la vitesse de la lumière... Ça diminue notre perception du temps. Enfin, le temps passe plus lentement. Ça veut dire que techniquement, un photon qui se déplace à la vitesse de la lumière, pour lui, le début de l'univers, le Big Bang et maintenant sont le même instant. Bah, théoriquement. C'est pas mal, hein? C'est-à-dire qu'en gros, le photon qui est envoyé du soleil et qui est sur ton cul, c'est le même au même instant. Voilà. Rhinos les épaules sans conviction. C'est pas encore arrivé, mais on ne sait jamais. Alors, faut savoir que, de ce que j'avais lu il y a quelques années, quand un trou noir fait de la merde, enfin fait de la merde, est en actif, hein, c'est quoi les mots qu'ils emploient? Alors, quand il se passe des trucs autour d'un trou noir, c'est possible que la perception du temps terrestre soit modifiée. Et j'avais vu, genre, sur une route, durant cette période-là, et ben. Avec la perception du temps qui était modifiée, il fallait 5 minutes de plus pour parcourir la route. C'est huge. Mais cette fois, c'est Mi qui hausse les épaules. On n'y pourra rien si ça arrive. Sauf si tu voyages dans le temps. Bah, j'en parlais. Je ne pensais pas vraiment que c'est possible. Théoriquement, ça l'est, hein, il s'avoue. Hein. Théoriquement. Je crois pas, non. Comme je dis, théoriquement, c'est possible. Je suis pas allé en physique et je le sais. Hein. J'ai pas fait de cours de physique depuis longtemps. Donc Rien n'a encore les épaules. Ça semble être sa réponse de base pour tout. Bah vaut mieux dire qu'on ne sait pas que raconter de la merde. Je crois pas, mais je me réserve le droit de changer d'opinion n'importe quel moment. Pour Rien, cette phrase semble plausible. C'en est dérangeant. Je vais réaliser, ça me fait un peu peur. Quoi?
pas compris. Je m'en ai mis à soin cette sensation. Qu'elle ne monte pas du... Pas en tout cas. Je compte de hocher la tête. Comme prévu. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit c'est Mick ou ses épaules. C'est comme si elle utilisait les propres armes de Rim contre elle. Ta réponse est le genre de choses à laquelle je m'attendais de ta part. C'est tout. Je suis vraiment aussi prévisible. Le sort d'Amy approche le jubilement. Tu es prévisible dans ton imprévisibilité. Non, c'est juste que ton imp... Oh le pré-shot de la phrase. Alors, c'est dans le sens inverse. Mais le pré-shot. Non, c'est juste que ton imprévisibilité est assez prévisible. Oh le pré-shot de la phrase. Ah bah ça va alors. C'est pas la chance. C'est pas grave, t'es sérieuse, non? La sonnerie retentissant. Je n'ai pas vu le temps passer. Et t'as pas mangé aussi. La traquelle 2 était bien trop intéressant. T'as pas mangé. Amy bondit, une expression de panique sur le visage. Bah non, j'ai besoin de passer par ma chambre. Bon, Osef. Tu ne vas pas avoir une machine à remonter le temps maintenant. Rin semble être assez fière d'elle en disant ça, comme si elle venait gagner le débat. C'était pas ça le débat. Mais bon, Rin ignore le commentaire de... Amy ignore le commentaire de Rin. Désolé, Sao, mais tu pourrais t'occuper de jeter les emballages. Je nettoie moi-même d'habitude, mais je dois me dépêcher. J'ai pas de problème. Amy fonce avec une rapidité. Normalement, c'est le taf d'une femme, hein, de faire les tâches ménagères. Hein. Mais bon. Amy fonce avec une rapidité avec laquelle je ne pouvais m'attendre de sa part. Je n'ai pas pris la peine de demander pourquoi Rin ne pouvait pas aider. Nous sommes déjà préoccupés par quelque chose d'autre. Elle est sûrement habituée à ce que Amy fasse le rangement. Je doute qu'Amy ait déjà pris la peine de discuter avec elle. Faut pas longtemps pour tout ranger. Alors j'ai largement assez de temps pour jeter ce qui doit être l'être elle en classe. Michel m'a que... Ah non, rien à foutre. Alors, hop. Et enfin, nos jours de classe touchent à sa fin, déjà. Je m'attendais pas, mais j'ai réussi à rester éveillé toute la journée. Je suis presque sûr que ça peut compter comme un miracle. Non. Les gens ne semblent pas avoir envie de me porter. Quoi m'a vraiment éreinté. Je parcours le couloir et arrive jusqu'à ma chambre. Salut Dalip, comment ça va? Comment vas-tu? Je m'assois et fais lentement mon travail sans conviction. Comme un vautour qui picore une carcasse peu savoureuse. Cette métaphore. Ça va super, merci. Tu connais le jeu ou pas? Je le trouve sans aucun sens et je sais pas pourquoi j'y joue encore. Voilà. Mais il est drôle. C'est que c'est ce qu'il mange. Mais il n'est pas sûr de pouvoir commander à livrer plus. Quoi? Je m'assois et fais un compte avec ce qu'on est pour un vautour qui pique une carcasse peu savoureuse. Non, j'y joue pas. Désolé. J'ai même pas le jeu. Désolé. Carcasse savoureuse. Mais c'est ce qu'il mange. Ce dialogue qui n'a aucun sens. Comment? Je comprends pas la métaphore. Je vais pouvoir le faire, mais pourtant que mon travail soit fait. Maintenant, vous voyez, qu'est-ce que je suis censé faire déjà? Je sais que c'est un combat perdu d'avance, mais je me battrai quand même. Au lieu de mes devoirs de maths, je pose mon stylo. Dalip, tu ne joues qu'à Fortnite ou ne regardes que du Fortnite? Au lieu de mes devoirs de maths, je pose mon stylo. Je ne pourrais pas comme ça, j'ai besoin d'une distraction. Malheureusement, mes options sont vraiment limitées. Je suis pas d'humeur à lire. Bah, du coup, tu bosses pas si tu fais une distraction. Ce qui est étrange hors de sa chambre. Dommage. Si je vais au bureau de conseil d'étudiants, non, on évite.
Me chemin... J'attrape mes chaussures et me dirige vers la piste, mais probablement là-bas. Quand j'arrive, l'entraînement du club d'athlétisme vient de finir. Le soleil commence à descendre dans le ciel. Et déjà aussi tard. Qu'est-ce que tu fais ici, Isao? Tu as envie de m'espionner, c'est ça? Ah non. Tu t'ennuies. Je hausse les épaules. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là. Tu t'ennuies. Je n'avais rien de mieux à faire. Voilà. Comme moi, j'ai rien de mieux à faire que jouer le jeu. Je pense que ça serait bien. À ce moment, imiter la seule personne que j'ai l'idée d'aller voir. Je sais pas, il y a Rin, il y a Lily, il y a Anako. Non, ça, tu leur parles pas. Michel et Shizune, tu les trouves insupportables comme moi. Alors, je suis ton dernier recours, c'est ça? Ouais. Plan Z. T'es mon 69e plan. C'est quoi le jeu? J'ai dû m'absenter. C'est toujours le même, la main. J'ai toujours pas changé de jeu. C'est vrai que t'étais bien silencieux quand même. Je ne me risque pas. War Thunder. Je parlais de War Thunder. Parce que en gros, il fait l'Even bateau quand je le fais aussi. Mais voilà. Et il s'emmerde. Voilà. Il n'y a personne d'intéressant, alors j'ai dû aller voir Amy, c'est ce que t'as pensé. Je te lis, t'es mon 69e plan. Je semble en colère. Tu vois, t'es mon plan S aussi. Ouais, voilà. Mais si, Raphaël, tu passes pas souvent quand même. C'est la tristesse. Le grind ou le stream qui est la tristesse? Et d'ailleurs, sur cette route, Amy, elle est débile, hein? Le grind, surtout. Surtout que le grind, Raphaël. C'est intéressant de savoir quelle partie tu parles. Surtout le grind ou que le grind, hein? C'est vraiment débile, Amy. Hein? On lui a demandé. Amy, il a autant de débile. Merci. Et est-ce que tu trouves que Misha et Shizune sont insupportables? Ou pas? Je suis le seul à trouver Misha et Shizune insupportables, genre vraiment casse-couilles. En plus. Chance de l'embêter, c'est présentement. Oui, pareil, c'est sur ces routes-là. Ah, mais même sur la route d'Anako, je l'ai trouvée chiante. Les deux. En fait, j'ai l'impression qu'elles font tout pour casser la vie de tout le monde. Genre, t'as quelqu'un qui est heureux, elles viennent lui casser la couille. Les couilles. C'est mieux sur la route, si je n'ai. Je t'avoue, j'ai pas envie d'essayer. Ouais. Ouais, mais j'ai pas envie. En fait, elles donnent pas envie d'approcher. Parce que, je sais pas, mais dans les personnages, même dans la vie de tous les jours, un personnage qui est casse-couille, mais qui, une fois que tu apprends à la connaître, enfin, à la sortir de sa coquille, eh bien, elle devient gentille et douce au cœur tendre. J'ai la flemme. J'aime pas ce genre de personne. Dans la vie de tous les jours, genre, tu dégages, en fait. J'ai pas le temps de te sortir de ta coquille. Donc, bah, va te faire foutre. Genre, vraiment, j'ai là, c'est une flemme. À quel moment est-ce dead? Parce que j'ai surtout souvenir qu'elle fout la merde. Parce que, genre, Anako, elle est en crise de panique. Il y a Misha qui est en mode, hey, regardez, il y a Anako. Ouais. Huge head, hein. Je sais pas, Lama, tu te souviens, toi, quand. Après la crise? Ouais, elle a juste aidé à la sortir de la classe, hein. C'est tout. Hein. Genre, je vais être quand même avec toi. Ah. Ouais, mais j'appelle pas ça aider, genre, j'appelle juste ça être quelqu'un, tu vois, quelqu'un de bien, un minimum. Une chatte ou pas quoi. Non, mais.
J'ai peut-être skippé le dialogue où elle me parle après, je l'ai peut-être skippé parce que je les trouve vraiment chiantes. Je sais pas. Mais même, hein, moi j'ai trouvé qu'elles étaient plus chiantes qu'autre chose. Genre dès que t'avais un moment tranquille, elle venait et elle cassait les couilles. Et genre même avec Lily. Misha, ça a l'air d'aller. Ouais, je crois que c'est la plus insupportable des deux. Hein. Moi, les deux sont au même niveau. Les deux ont l'air horribles. C'est surtout que Misha. Tant pis, moi, je l'aime pas non plus. Ouais, non, mais c'est chiant. Enfin, je sais pas. Ben, niveau moral, ça. Bah même pas, je trouve juste niveau social. Et encore moral, c'est moyen. Enfin, moral, j'ai l'impression que ce sont des connasses. Mais quand elles se rendent compte qu'elles ont fait une connerie, elles s'excusent avant de refaire la connerie. Parce que je suis désolé, t'as quelqu'un, elle a au courant qu'elle fait de l'anxiété sociale. Et cette personne vient de rentrer dans la pièce avec quelqu'un. Et tu gueules, elle avec son amoureux et tout. En faisant en sorte que toute la classe la regarde. Mec, je suis désolé, moralement, non, tu vois. Elles sont au courant qu'elles font de l'anxiété sociale. Ah, je suis désolé, mais non, hein. Je trouve pas moral moyen. Hein. Et c'est pareil, Amy ultra manipulatrice, hein. Toutes les filles sont manipulatrices, j'ai l'impression. Amy fait la moue. Écarquillant les yeux pour ressembler le plus possible à un pauvre petit chiot. Et aussi, Isao, c'est un putain de pervers. Tout à l'heure, on est en train de courir sur la course. Le mec. Je vais me fuir le camp, Anako. Je vais me fuir. Tu n'as manipulé le camp. Alors que c'est un putain de pervers. Hein. Sur la route à Nako, il est en mode oh les cuisses de Lily là. Ouh. Puis je crois qu'il est aussi oh le boule de Lily là. Lily sexy sur la route d'Anako. Et là tout à l'heure, il est en mode oh là là là. Alors là, tout à l'heure, il voit Amy en mode oh là là, on voit son soutif, mais oh là là. La jeune Amy. Ouais. Non, mais c'est j'aurais dit en mode elle transpire, ça rend son t-shirt transparent et lui en mode je suis en train de crever. Et alors là, je regarde ses seins. Ouais, mais en fait, est-ce qu'une grande influence. Parce que quand je dis manipuler, je parle de manière volontaire. Tu vois, il fait pas. Il n'est pas en train d'essayer de. D'enfin. Il n'est pas en train d'essayer d'influencer Anako ou quoi en fait. Il a l'influence, mais j'ai pas l'impression qu'il essaye de s'en servir. Surtout pour un bénéfice personnel. J'ai pas cette impression. Alors que là. Ouais. Alors. Évite de me spoiler la route d'Emmy. T'es rendu. Là, je suis du coup route d'Emmy. Le soir du premier jour. Je crois que je suis au premier jour. On est couru le matin. Donc t'es bien là pour m'espionner. Hein, quoi? C'est pas ce que je voulais dire. Je crois quoi, je suis premier jour. Hein. Mais en fait, il a une sorte de complexe du sauveur où il veut sauver la personne de son handicap, quoi. Un peu. C'est un peu ça, quoi. Un peu. Ouais, mais je dirais pas que c'est manipulateur, tu vois. Je dirais plus qu'il est inconscient. Il est débile, oui. Tout à l'heure, il était en mode, hein? Voyager dans le temps, c'est possible? Je suis en mode, théoriquement, oui. Puis après, il y a Rin qui sort.
Est-ce que regarder quelque chose d'une manière différente s'offre une nouvelle perspective? il sort. Oh, c'est débile de regarder les choses d'une manière différente. Mais Kenji, c'est un sauveur. D'ailleurs, je crois que Kenji s'est fait kidnapper parce qu'il n'était pas dans sa chambre. Tu ne dors pas et que tu n'as pas en classe. Oui, tu. Emi, Ryu, comment t'aimes? Bon, tu n'as pas tellement tort, mais tu oublies que je mange aussi. Ça m'arrive aussi, tu sais. Tu vas aux toilettes aussi. Je sais ce que je dis. Il y a mes caméras là-bas. Ça m'appelle un certain jeu. Alors c'est illégal, ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit de mettre des caméras dans vos toilettes. Pareil dans les chambres et pareil dans les douches. Voilà, c'est illégal. Donc ne faites pas ça, sauf dans un jeu vidéo, lâchez-vous. Je suis avec le conseil dans ça. Puis je suis avec Rin, des fois aussi. Donc, je suis peut-être pas si facile à espionner après tout. Pourquoi tu veux me reprendre? C'est vrai que techniquement toute chose est illégale au moment où tu te fais prendre. Parce que c'est vrai. Regardez ma caméra dans les toilettes, personne ne l'a trouvée, c'est pas illégal. La toilette des filles, hein, précise, hein. Pas chez moi. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous ne semblez pas avoir beaucoup en commun. C'est pareil, Raphaël, t'es du même avis Tant qu'on se fait pas prendre, c'est pas un crime. Ce n'est pas grave. Elle met les mains sur ses hanches et affiche un air supérieur. Qu'est-ce que tu crois? J'ai plein de hobbies cachés, tu sais. Oh, vraiment, comme quoi? D'ailleurs, il y avait un médecin légiste que je lui ai regardé il n'y a pas longtemps, qui expliquait comment on fait un crime parfait. On voulait des conseils? Ou pas? Qui veut un meurtre quand je dis un crime? Oui, d'accord. Donc ce qu'il disait déjà, le crime parfait, c'est deux cas. Le premier cas, on ne retrouve pas le cadavre. Ou on ne sait juste pas que la personne, elle est morte. Deuxième cas, on fait passer ça pour un suicide. Voilà, c'est les deux façons de faire un crime parfait. Personne ne connaît le crime. Le cadavre est jamais retrouvé. Ou ça un suicide. Vous faites passer ça pour un suicide. Voilà. Et du coup, il disait que par exemple, si vous voulez faire passer ça pour un suicide, le fusil ne sera jamais collé à la tempe. Parce que quand vous tirez, il y a un recul sur l'arme. Et du coup, le fusil ne sera jamais collé à la tempe. Et généralement, il tombe de la main. Donc, ne collez pas le fusil à la tempe comme ça. Faites pousser la main, genre comme ça, vers le sol, et faites que le fusil soit parti un peu plus loin. Ne laissez pas vos empreintes aussi. C'est quelqu'un qui s'est... Alors, ça, c'était vu une histoire avant. Quelqu'un qui se fait attraper, parce que avant de faire les crimes, il posait son oreille à la porte, et du coup, bah, pour écouter s'il y avait des gens dedans, et du coup, bah, ils ont retrouvé ses empreintes d'oreille sur la porte, et il s'est fait arrêter. Un peu triste. Mais voilà. C'est un peu trop con le bon. Bah, en quoi? C'est un médecin légiste qui racontait ça. C'est un médecin légiste, du coup, bah, il va sur les scènes de crime. Regardez ce qu'il y a. Où est le souci? Enfin, le mec est vraiment médecin, légiste. Et il raconte ce qu'il fait dans son travail. Ce qui, du coup, bah, il raconte pas n'importe quoi normalement. Si tu le dis. Ah non, c'est un médecin légiste. J'ai rien dit d'exceptionnel. Hein. Sur le fusil, si quand tu tires, t'as vraiment un recul. C'est tout. Non, et pour l'histoire si tu parles de l'histoire du mec qui a pu coller son oreille à la porte pour écouter s'il y a des gens à l'intérieur, c'est que c'est quelqu'un qui faisait des crimes en boucle. Il n'en a pas fait qu'un. Et c'est juste qu'en cherchant des empreintes, ils ont trouvé des empreintes sur les portes. Et en fait, sur toutes les...
En fait, au bout d'un moment donné, à force de trouver les mêmes empreintes sur toutes les portes, où il y a eu un crime, ils se sont dit, bon, il y a peut-être un lien entre les empreintes qu'on trouve sur toutes les portes. C'était que des empreintes d'oreilles. Et appartenant à la même personne. Donc bah au bout d'un moment, ils ont fait une conclusion, quoi. C'est lui qui a fait les crimes. Je sais plus ce qu'il avait fait. Je sais plus si c'était des meurtres ou des vols. Je crois que c'était des vols. Je sais plus, ça a à revoir. Il penche la tête d'un côté. Ou c'est dans une série. Non, maintenant tu me mets le doute si j'ai pas vu ça dans une série. T'as autre chose à faire? Non, tu dois Grind War Thunder, Raphaël. Elle y penche la tête d'un côté. C'est appris les informations comment on fait un meurtre, tu repars maintenant? C'est ça? Il parle de plusieurs personnes. Je crois qu'il a cours demain surtout. Je m'y connais déjà. T'es à ton combien tiers? Entre nous. C'est pas comme si c'était enregistré, tu vois. T'es à ton combien tiers meurtre? Et combien de personnes dans ta cave? Est-ce que tu peux envoyer l'adresse, enfin les endroits où t'as mis les cadavres? Et où sont enfermées les personnes dans ta cave? Enfin, ou les coordonnées de ta cave aussi. Quand c'était dur. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, tu situerais ton nombre de meurtres à combien? 10 étant le plus haut, 1 étant un meurtre. Si jamais tu n'as commis que des génocides de masse, tu es autorisé à... Répondre 1 est égal à 1 génocide de masse. Où as-tu caché les cadavres? Ce n'est pas enregistré, Raphaël. Ben, Rin et moi à faire du shopping des fois. Huge. Ça se tient une fille après tout. Mais Rin, c'est aussi une fille. Faut que je retrouve les archives. Ah, t'as des archives. Est-ce que par hasard. Genre au Moyen-Orient, genre vers chez les Arméniens, genre vers la Serbie, genre en Albanie, genre vers Kiev, vers l'endroit d'où j'emportais ma teinture cet après-midi. Est-ce que c'est ces gens-là sur qui tu commets tes meurtres? Ils viennent tous en Italie. Ok. Et du coup, la mafia charge du travail. Rien de son petit édifiant. Ah. Et est-ce que c'est une connerie du genre pour venir travailler dans les mines de fer, vous devez payer 30 balles? Et du coup, chaque jour, vous venez dedans, on vous prête la mine et la pioche que vous êtes obligé de prendre à notre nom. Et on vous loue ça à 10 dollars par jour. Et vous gagnez 8 dollars par jour. Et vous ne pouvez pas quitter la mine tant que vous n'avez pas remboursé les 30 premiers dollars. On vole tout. Tu sais que ce que je viens de dire, c'est une arnaque. Il existe vraiment. Pas de monde, ça. Ah, mais. C'est une arnaque qui a vraiment existé. Tu demandais aux gens, en fait, un frais d'entrée permanent. Par exemple, je ne vois pas de quoi tu parles, Raphaël. Du coup, tu demandais par exemple du coup 30 balles pour, par exemple, rentrer dans une mine, et tu avais le droit de miner comme tu voulais. Mais du coup, par jour. Par exemple, par heure où tu restes dans la mine, tu vas payer 2 balles. Enfin, tu vas payer 10 balles. Et faut que tu payes la pioche en plus qu'on te prête. Du coup, tu passes à 15 balles par heure. Mais dans la mine, sans avoir une chance inouïe, ce n'est pas possible de se faire plus de 10 balles par heure. Et du coup, toutes les heures, tu t'endettes de 5 dollars. Et tu es obligé d'aller travailler dans la mine. Que tu n'as pas remboursé tes intérêts.
Maintenant, tu n'as pas remboursé ta dette des $30 au début. Voilà. Bon, c'est des sommes beaucoup plus grosses, mais l'idée, elle est là. Du coup, ce qui fait que tu es obligé d'aller travailler là-bas en permanence et gratuitement, parce que tu ne peux pas gagner plus que ce que tu payes. Et du coup, bah... Bonjour l'esclavage. 10 millions avec les intérêts. Tes intérêts, ils sont complètement niqués, hein, t'es au courant. Ça marche pas comme ça, des intérêts. Tu passes pas de 6,5 millions à 10 millions avec des intérêts. Le rendement. Ah, genre, tu m'as niqué avec des intérêts... Je crois au Pakistan. Mais c'est un truc qui est légal, hein, ce que je viens de dire, n'essayez pas. Mais c'est un truc qui est vraiment existé. J'aurais gagné plus si j'ai construit cet argent. Ouais, mais ma gamme, elle aurait été un peu foutue. Alors là, tu vois, je suis à moins 2K par semaine. Ça va. C'est moi qui host. Tu peux pas jouer sans moi. Pas généralement par le magasin d'armes. J'ai plus de pop. Elle aime bien le magasin de musique qui vend plein de trucs de musique bizarre. Le magasin de musique qui vend plein de trucs de musique. Huge. Et moi, c'est sans construire. De la vanne. Elle dit que ça aide à se concentrer. Ah, moi, j'ai 65 de construit, je ne construis pas. Je vois d'autres hobbies cachés. Amy fait un nom du doigt. Comme elle a parlé de sexe tout à l'heure, je pensais qu'elle allait faire autre chose avec son doigt. Eh bien. Pourquoi est-ce que je te révélerais tous mes sombres secrets? Je connais à peine. Bien qu'on soit à 50 tout seul. Je suis à 65 à fond. Quelque part, je crois que c'est tout ce qu'Amy est comme hobby. Malgré ça, je ne crois pas avoir eu la réponse à ma question. Même si tu as quelques hobbies, je vois pas pourquoi tu traînes autant avec Rim. Je veux dire, elle est un peu bizarre, non? Ce commentaire fait éclater de rire, Rim. Ça va être la révélation de l'année. Ha! Comme ça, je suis sûr qu'elle a fait son ha. Genre, ha! Comme ça. Alors pourquoi, je veux dire, tu allais pour discuter et tout? Alors je me suis dit que tu fréquenterais beaucoup moins de monde, mais je crois pas déjà que je ne t'ai vu qu'avec Rim. Non, je t'ai vu qu'avec Rim. Amy est sur la défense, c'est bizarre. Eh, je fréquente plein de monde à part Rim. Rim. Je le vois juste pas parce que je suis pas dans ta classe. D'accord, mais ça n'explique toujours pas pourquoi tu fréquentes autant Rim. Je suis même pas sûr de vouloir le savoir. Ah, mais c'est Krin, elle a un doigté exceptionnel. Je crois que je suis drôle. Elle a un de ses doigtés là. Exceptionnel. Pour ceux qui n'ont pas la vanne, c'est Krin, elle a pas de main. J'imagine parce que le déjeuner était vraiment étrange. Amy hausse les épaules, faisant très rinesque peu dans le moment. Parce qu'on a la même vision des choses. Je m'ai demandé ce qu'aurait pu être la réponse la moins probable. Ça aurait été ça. Comment ça? C'est comme... Ben, Rin peint des trucs, ok? Ouais. Je suis pas sûr de savoir où elle va en venir. Mais moi, je cours. Comment ça? C'est comme si je disais... Vous pensez que je peux utiliser ça pour draguer quelqu'un, genre? On a plein de points en commun, tu vois. Toi, genre, t'aimes bien dessiner. Moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Point commun. Ça n'a aucun sens. Tu vois, toi, t'as des amis. Mais moi, j'en ai pas. Point commun. C'est au même niveau. Genre, c'est quoi? Tu as une suite, peut-être. Et... C'est pour ça qu'on est similaires. Bon, on fait des trucs. On vit. C'est le même niveau que dire. Et Raphaël, t'es humain? Moi aussi. Bon, comment on traîne ensemble? C'est débile. C'est 100% débile. Tu m'as perdu. Ça n'a aucun sens. Amy fronce les sourcils. Comme pour essayer de comprendre sa réponse. J'ai eu mon petit droit à jouer. Alors, là, ça fait une semaine. Ah, d'accord. Et
littéralement, on lui demande pourquoi elle traîne autant avec quelqu'un. Et nous saurons se ressemble. D'accord. On demande en quel point. Elle nous dit, elle est peint, moi je cours. C'est la même chose. Tu vois. Du coup, c'est comme dire. Ah, c'est débile, ça n'a aucun rapport. C'est comme si tu disais, ah ouais. T'aimes bien manger. Bah c'est quoi, moi j'aime bien ranger mon armoire. Point commun, hein. Ça n'a aucun sens. C'est... Ben, je veux dire, autant arriver et dire, t'es humain, je suis humain, on baise. Du coup, t'es humain, je suis humain, point commun, on traîne ensemble. Tu vois, c'est le même niveau. Tu ne rencontres pas Rin et Rin te rencontre. C'est peut-être parce qu'on fait des trucs pour la même raison. Hein? Ah, là, je comprends mieux. Tu sais, on suit nos passions. Ouais, je vais rien dire. Tu peux pas quoi, c'est une passion d'artiste. Hein? Je crois. C'est pas Yarin m'a expliqué une fois, mais je ne sais pas si j'ai bien suivi. Elle dit qu'on a toutes les deux la recherche dans un extrême. Ah. Ok, donc en fait, non, voilà, c'est mieux expliqué. Elle sait juste pas s'exprimer. Voilà, en gros, elle dit que. Elle cherche. En gros, elles sont perfectionnistes dans leur passion. Et du coup, elles se ressemblent parce qu'elles sont perfectionnistes dans leur passion. D'accord, là c'est clair. Mais c'est logique. Je crois à cause de la sensation que j'y trouve. Vu qu'on ne permet à rien de nous ralentir, on a une connexion basée là-dessus. Comment ça ralentit? C'est parce que je ne suis coureuse. Et que rien ne tue une pinte même sans bras. On respecte la détermination l'une de l'autre. C'est vrai qu'on est souvent ensemble. Je crois. Passion du Covid. La passion, c'est pas juste de baiser. C'est de bien baiser. Toujours mieux baiser. C'est comme j'avais vu un mec, un pornostar qui parlait. Et qui expliquait qu'en fait, quand il tournait, les positions et tout n'étaient pas spécialement là pour... parce que c'était agréable pour les acteurs, mais purement en fait pour donner... En fait, expliquer même des positions, enfin des trucs qui font mal et tout, et que le but est uniquement de donner envie, pas d'y prendre du plaisir. Enfin, je suis pas dans le milieu, mais qu'en gros il y a beaucoup de scènes qui étaient comme ça, qui étaient, enfin de plans en tout cas, peut-être pas des scènes mais plus des plans, qui ne sont pas plaisir mais beaucoup plus tape à l'œil. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. On s'entend bien, c'est tout. C'est ce qui importe vraiment. Elle n'a pas tort là-dessus. Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es mise à courir d'ailleurs? Oh, je cours depuis que je suis toute petite. Mon père est un coureur, c'est tout que j'ai pu marcher et commencer à me prendre à courir. Merci Brice pour ce commentaire. Insane. C'est notre truc perfide, tu sais. Notre hobby mutuel. Vas-y, c'est de Bigard. Qu'est-ce qu'a dit Bigard? Notre cher bon Jean-Marie. Je connais un autre Jean-Marie. Hein. Il s'appelle bien Jean-Marie Bigard. Attends. C'est bien Jean-Marie Bigard, non? J'ai un doute. Oui, c'est Jean-Marie Bigard. Il a fait genre, et blanc, 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 comme ça. Je dis ça, c'est qu'il a dit. Une ombre part sur son visage, choqué de la voir. Triste, choqué. Quelque chose a très rêvé entre deux. Mince, j'ai plus beaucoup de temps. Désolé, mais j'ai quelques tours à faire avant d'aller voir la Fenway. Elle court sur la piste, les cheveux au vent. Non, ils sont attachés, ils sont pas au vent. Pas en faux. J'ai l'impression qu'elle va beaucoup plus vite que ce matin. Quand elle tourne sur la piste, j'aperçois son visage. Comme ce matin. Si ce n'est qu'elle est un peu plus sévère. Elle a raison après tout. Je ne connais pas grand chose d'elle. J'ai hâte de courir un petit moment et me lève pour retourner à ma chambre. Je vois que je pourrais faire des signes pour attirer mon attention. N'oublie pas, même heure demain matin. Compris. Je retourne à ma chambre.
Les devoirs m'appellent. J'arrive pas à dormir. Mon cœur est fatigué. Mon corps est fatigué, mon cerveau est éveillé. Fixant au plafond de ma chambre baignée par la nuit. Et moi, après ce stream, je vais refaire un bilan comptable. J'en ai pas. Non, ça va. J'avais trouvé quelque chose à commencer, espérant pouvoir épuiser mon cerveau. La seule chose à laquelle j'avais pensé que je n'arrive pas à penser. Du coup, tu arrives à penser, espèce de menteur. Ça ne marche pas très bien. Ça me rappelle, à un moment donné, t'as un prof qui fait qui dit en classe que ce n'est pas possible d'arrêter de penser. Et je lui réponds que si, j'y arrive. Et il me traite de menteur en me disant « Non, c'est pas possible et tout. » Je suis en mode « Bah si, c'est possible. » Et du coup, il était en mode ultra vénère parce que je l'avais contredit. Et bah du coup, je confirme, c'est possible. D'arrêter de penser. Consciemment. Non, je vais pas le faire là parce que j'ai un stream animé. Je me demande. C'est un effet secondaire des médicaments. Même si ça me semble bizarre que ça prenne aussi longtemps à se manifester. Encore une fois. Peut-être que je ne suis pas aussi habitué à mon nouvel environnement que j'aurais bien voulu le croire. Je ne sais pas. Pour une raison inconnue, je suis éveillé et ne devrais pas l'être. Ça s'appelle une insomnie, mec. C'est ridicule. Ignorant la raideur de mon corps, je ne veux pas savoir de quelle partie est raide, je sors du lit et regarde mon horloge. 4h du matin, la dernière fois que j'ai regardé les tests. Seulement 1h, alors peut-être que j'ai dormi un peu, je ne sais pas. J'ai mis quelques habits et sortir de ma chambre. Ça, c'était mes nuits avant les médicaments. J'arrive pas à dormir, c'est ridicule. Je regarde l'heure. Alors, la... Les blancs. La seule différence, c'était que là, il serait pas 4h du matin, mais 1h15. Et ce serait ma vie d'avant. Voilà. Et après, je réattends 1h30, et après, je me rendors 1h. Voilà. Et blanc, blanc, blanc. Mais y a pas de fille. Enfin, il peut faire ça avec son oreille, mais je conseille pas. Après, tu peux faire ça avec un pamplemousse. Pareil que ça marche bien. Ça vient d'un pote. C'est un pote qui me l'a dit. Voilà. Si jamais votre pote à vous... Si jamais vous avez un pote qui a besoin de cette solution, un pamplemousse, ça marche bien. Ça, l'info vient d'un pote. Chauffer de la froideur de l'air, on peut attendre la chaleur du jour. J'aime pas le pamplemousse, c'est la pire. T'as déjà essayé au moins. Il paraît que ça ressemble à une bouche. Chauffer de la froideur, on peut attendre la chaleur du jour. On dirait le désert. Je crois que c'est dans les déserts où il fait hyper froid la nuit, non? Généralement. Dans un désert de sable. Tu devrais essayer, a priori ça fait du bien. Je presque vends mon souffle alors que je parcours le campus, attendant que le soleil se lève ou que je m'endorme. Ouais, endors-toi dehors. C'est deux points. C'est... À ce point, les deux options, on dirait. Je me retrouve. Expérimente-toi. Non, merci. J'ai même pas de pamplemousse chez moi. Je me retrouve à la piste d'athlétisme. Pour la première fois, Emmy n'est pas en train de courir. Ce qui est normal. Il est trop tôt, même pour elle. On paraît qu'il la croise. Je vais essayer. Comme tu veux. Hein. Pour la science. Bah, non, c'est que j'ai vu ça dans une vidéo. Voilà. Qui disait que, a priori, les pamplemousses, ça peut remplacer une bouche. Et dans les commentaires de la dite vidéo, les gens disaient que ça marchait. Voilà. Je peux envoyer la vidéo si vous voulez. Ah non. Non, on va pas essayer du citron. Mais si je lui garde un son froid. Mais dans cette situation-là, j'apprécie.
Ouais, je suis pas le seul à aimer sortir la nuit juste pour regarder le ciel et tout. Le soleil commence à se montrer à l'horizon et je suis tristement certain que je ne dormirai pas plus cette nuit. Les rayons légèrement renforcés du soleil commencent à me réchauffer. Et je regarde la rosée sur le teint comme. Attends, mais du coup, il est trempé là. Il est trempé. Il s'est endormi sur les gradins. Il y a eu la rosée du matin. Il est trempé. Mon esprit se calme un peu. Je pourrais avoir déjà dormi dehors et voir la rosée. T'es mouillé après. T'as vraiment pas essayé, Brice. T'as pas vraiment essayé. Tu trolles. Rassure-moi, tu trolles. Rassure-moi, Brice, tu trolles. Rassure-moi. Quelqu'un me secoue. J'ai pas autre chose à faire. Ah, mais les deux en même temps. Hein. Une main, c'est suffisant pour farmer. Hey, réveille-toi. Hein? Ou quoi? Pourquoi je me suis endormi après tout? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas attraper un rhume. Un rhume là. Tu vas attraper un rhume. Fais gaffe, tu seras tout nu en te réveillant, t'auras attrapé un rhume. Putain. Au niveau des blagues. Je me frotte les yeux. Le yeux. Je me frotte le yeux. Ah, pardon, je dis les yeux, désolé. Je me frotte le yeux. Et suis confronté à Amy qui est penchée et me regarde avec une expression inquiète. Toujours un peu dans le pâté. Ma réponse sera un murmure. Je vais pas dormir, regarder le soleil se lever. Il y a quelque chose que dirait Rin. Il hausse ses épaules et ressent la raideur que l'on ressent en dormant quelques heures sur un banc. Ah bon? Je ne saurais pas dire. Alors. Il s'est endormi le traducteur? Scurné. Là, il manque une lettre. Regardez, je me frotte le yeux. Et là, je ne saurais pas dire. C'est ultra moche. Soit tu enlèves le pas et tu mets je ne saurais dire, qui est français. Soit tu mets je ne saurais pas dire. Tu préfères je ne saurais dire. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais il y a encore une faute. Même je ressens ton pamplemousse comme s'il te suce pendant que tu. Ah. Le raider. Tu aurais dû dire ça si je recevais un raid. Il me sourit à ma réponse quelque peu bizarre. Donc tu ne voulais pas dormir, hein? Et alors évidemment que tu vas parcourir encore plus. Sachez que quand on fait du sport, on a moins besoin de sommeil. Si je ne le connais que depuis une semaine, cette façon de gérer le problème est vraiment très émiesque. Et mon corps est soudainement épuisé après hier. Enfin, mais imaginez les gens qui arrivent et qui ne voient pas le chat d'avant. Qui disent uniquement, mets un moteur sur ton pamplemousse. Le raider, c'est le nom de ma, comme s'il te suce pendant que tu farmes. Imaginez les gens qui arrivent sur ça. Juste sur ces trois messages. Genre, les pauvres, ils doivent pas comprendre. Ils ne comprendront pas sans remonter en avance sur la VOD. C'est mon esprit qui turbine, c'est tout. Mais tiens, ça parlait de moteur. Je vois pas la différence. Tu cours suffisamment, ton cerveau sera fatigué aussi. Non? Je m'interroge sérieusement sur la tête de faire ça si tu le matin. Bah, c'est très utile le matin. Parce que du coup, tu commences avec. Est-ce que je peux te passer la vidéo? Non, mais la vidéo, je peux te la passer, Brice, mais attends. Mais elle a rien à voir. Ne critique pas, attends, je l'envoie à Brice en MP. Attendez. C'est laquelle? Attendez, je vais chercher la vidéo. Attendez.
Désolé, je cherchais la vidéo, je peux voir YouTube. Hop. Je veux voir Twitch en même temps. Je cherchais la vidéo. Alors. Je pense que tu connais en plus. Attends, ça date pas d'il y a 12 ans quand même. C'est pas aussi vieux que ça. Non. Non, non. Ça date d'il y a 13 ans. Oh putain. Je te l'envoie, Brice. Alors, hop. J'ai galéré à trouver. Je donnerais bien une bonne impression de ta commune pour une fois que je suis quelqu'un de bien. Attends, je donnerais une bonne impression de ta commune pour une fois que quelqu'un de bien dessus. Qui c'est quelqu'un de bien? J'ai une vidéo, mais c'est du furet plus ça ne m'arrive. Mais toi, je suis sérieusement sur la tête de faire ça aussi tout le matin. Je ne sais pas si mes notes me pardonneront d'épuiser mon cerveau comme ça. Ce sera l'inverse, tu auras de meilleures notes. Et il me relève du siège avec une force surprenante pour quelqu'un de sa taille. Allez, maintenant, Yasuo, on a du travail à faire. Je vais voir si je suis prêt pour ça aujourd'hui, pour être honnête. Je veux dire, j'ai pas beaucoup dormi. Ce que j'ai dormi, je l'ai passé sur les gradins. Je sais pas, je devrais vraiment courir. Je dors comment j'ai fait aucun choix depuis tout à l'heure. Bon sang. D'ailleurs, vous êtes toujours chaud pour du DDLC une fois que j'ai fini ça. De quoi est-ce que tu parles? Bien sûr que tu devrais courir. Comment est-ce que tu veux qu'on te renforce tes articulations? C'est les muscles qu'on renforce surtout. Plutôt qu'une articulation. Mais t'inquiète, hein. Ça donne les sourires d'un gradin, mon dieu. Je vais aller dormir. Tu vas aller dormir ou tu vas aller regarder la vidéo que je t'ai envoyée? Oui, sincèrement, sois honnête. T'as même ces gradins, mon dieu. La meilleure façon de faire partir cet endolorissement et de courir un peu. Ouais, c'est ça, il va aller dormir. Non, arrête de te... Comment ça, mon bœuf? Allez, regarde la vidéo, tu verras. Mais ça n'a rien à... Enfin, je veux dire, ça n'a rien de sexuel. C'est un truc sexuel, mais... La vidéo, mais c'est pas un tuto comment utiliser un pamplemousse, quoi. Maintenant, arrête de te cacher dans les gradins et descendre là. Je ne peux rien dire, je suis sûr qu'elle me tuerait si je refusais. Je me lève et vais sur la piste. T'as oublié de t'étirer, hein. En fait, il fallait pas courir, il fallait juste s'étirer. Le soleil réchauffe assez bien l'air. Amy et moi commençons à nous étirer. Et je me retrouve encore une fois à éviter de la regarder. C'est ce que je dois voir tous les matins, je devrais être capable de mes habitudes. Tu sais, ça va, c'est pas poli. Avec du regard comme ça. T'es innocent, Brice. Genre, t'as un yaourt. T'es innocent. Je me retire de cette altercation. Tu sais, ça va, ce n'est pas poli de fixer du regard comme ça. Je vais c'est pas, je le jure. Oui, oui, hein. Ah bah oui. Le matin. Et il avait un sourcil et réfléchit. Bannez-le-moi le monde. Mais est-ce qu'on peut bannir quelqu'un quand il dit la vérité? T'es un jus de fruits, puceau. Écoute, t'es un petit innocent, puceau. Après tes oranges, elles ont bien été pressées. Allez. Au revoir tout le monde. Et la sourcille réfléchit pas une seconde comme s'il évaluait ma réponse. Tu crois Oli? Que Oli? Comment ça? Il y a un bref moment où j'ai peur pour ma vie. Alors elle sourit et rit secondement la tête. C'est pas... Que Oli? C'est pas vrai, ça calme. De quoi tu parles? Je n'ai pas admis aussi vigoureusement, tu sais. En réponse, je claque des mains et change de sujet.
Pourquoi d'un coup vous êtes passé sur Big Flo et Oli? Quoi? Pourquoi vous êtes passé sur... J'essaie de plus l'être. Ah, je sais. Je sais, tu sais. Du coup, comment on est passé de Puceau à Oli? Ah. Ok, ok. C'était pas genre durant un Z-Event ou une Z-Lan? Non, Z-Event. C'est pas durant un Z-Event? On est suffisamment étiré, non? Et Mime se laisse d'épaule. Tu te sens étiré? C'est vraiment une fonction de ce que tu ressens. Non, c'est pas en fonction de ce que tu ressens. C'est entre 20 et 2 minutes, un étirement. Ouais. Eh bien, je me sens prêt à courir, c'est ce qu'elle veut dire. Ouais, je suis prêt. Pas avec hier, d'accord. On va juste courir 1,5 km à un rythme constant. T'embêtes pas pour ta vitesse. Occupe-toi juste de garder le rythme, d'accord. Là, je viens de réaliser que la musique de fond passait tellement bien que j'avais oublié qu'elle était là. Bon, ça, je me suis dit, ouais. Là, d'un coup, je viens d'avoir une réalisation, genre, oh, la musique du jeu, elle est sympa. C'est pas la musique du jeu. C'est toi la chef. Je sais pas si vous l'entendez bien, la musique en fond. Mais soit encore une fois et nous partons. Je crois que je vais mourir. N'aime pas fini le premier tour que mes jambes sont en feu. Ma respiration est ponctuée de râle. Je peux sentir la transpiration sur mon sourcil. Sur ton sourcil. T'en as qu'un? Il n'y en a qu'à la deuxième boucle. Allez, ça, t'as encore 3 tours à faire. Je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je crois que je vais vomir. Il est mono sourcil. Ah non, mais il a un œil. Ah ouais, c'est un cyclope en fait. Ah non, il a dit le yeux. Voilà, tout va bien dans la phrase. Et du coup, Brice, t'as vu la vidéo? La huge vidéo que je t'ai envoyée. Comment est-ce qu'il peut faire ça sans effort? De l'entraînement et de la nourriture saine. Sans que je sache pourquoi je continue d'avancer. Il est comme une machine. Troisième tour, qui était arrivé au second. J'ai presque ça où. Menteuse, on en a encore deux. Je ne peux rien faire. D'ailleurs, si jamais vous posez un truc, une question, faut savoir que les minutes les plus chiantes à courir, ce sont les 6 premières. 6, 7 premières, voire 8 premières. Les salles d'après, elles sont plus simples. Voilà. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas. C'est genre, je ne peux pas. Le faire. On dirait le mec dans Malcolm qui est en fauteuil roulant. Amy se retourne et commence à courir à l'envers. Du coup, d'ailleurs, la musique de fond, on l'entend bien ou pas? Là, je suis une colère qui me surprend. Ne dis jamais ça! Tu dis ça, t'as déjà perdu. Continue d'avancer. Si t'as envie, tu peux continuer d'avancer. Merde. Ouah, grossi, on est 4ème tour maintenant. J'ai vraiment l'air de vouloir que je continue d'avancer. Mes jambes avancent. Et elles me semblent si molles. Pas comme toi ce matin, quoi. Je suis dans la boue, dans la mélasse, dans du goudron. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. Dernière ligne droite, ça donne tout ce que t'as. Je vais avancer mes jambes aussi vite que je peux. Elles refusent d'obéir. Pourtant, elles continuent d'avancer. Je vais abandonner que de perdre de me faire amener par le prof de sport. Il n'y a pas de prof de sport. Pourtant, je finis. Et voilà, SAO, je savais que tu pouvais le faire. Et quoi, l'ennemi a fait shade. Hein. Du coup, moi, je sais toujours pas si la musique on entend correctement. Hein. En fond. La couleur qu'Amy a fait shade, hein, il y a un tour, a disparu. Et est maintenant remplacée par de la fierté. Elle est radieuse. Comme si elle venait de gagner une médaille d'or. Je m'arrête brusquement. Il tombe sur les jeux de mains et les genoux. Luttant pour respirer. J'entends rien. T'es sûr? J'entends toujours rien?
C'est pour ça que le stream était chiant, il n'y avait pas de musique. Ah, fallait me le dire, je mets toujours de la musique. Attendez, je règle ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, vous entendez bien? Putain, mon cœur un peu plus fort qu'il n'a pu le faire depuis longtemps. Je crois qu'il a pas fait ça depuis 8. Oh non! Parce que moi, ça fait une heure que ma playlist elle tourne et que j'ai de la musique, moi. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, arrête de t'emballer. Ah ouais, t'es pas un cadeau aussi. Moi, ça fait une heure que j'ai. Ça fait 1h40, moi, j'ai de la musique, hein. Tout, c'est pour je ne sais quelle raison, un sourire se forme sur mon visage. C'est comme ça que je meurs. En essayant de me prendre soin de ma santé. Tellement ironique. Je crois qu'il y a beaucoup de vieux qui meurent en tombant. Juste tombant. Mais soudainement, mon cœur ralentit. Demain m'attrape sous les bras et me relève. J'ouvre les yeux et vois Amy se tenant devant moi. Il y a un mélange de joie et d'inquiétude. Debout! Ça me rappelle une scène. Quelqu'un qui est comme ça en mode. Debout! Debout! Et voilà. Ou ça me rappelle une autre scène. Quelqu'un qui est comme ça là. Debout! Pardon. Pardon, pardon. C'est le. Bah, il y a le debout d'Harry Potter. Dans, comme ça, où le mec est comme ça en mode. Debout! Pour que le balai remonte. Et la blague après. Bah. Voilà, debout. Ça te comprend la blague. Là, tu retrouveras jamais ton souffle comme ça. D'une certaine manière, j'arrive à me relever. Aucune marche. J'essaie de lever les bras au-dessus de ma tête, mais ils sont de plomb. Je commence à marcher le long de la piste, pendant qu'Emmy reste près de moi. Comme si elle avait peur que je tombe ou quelque chose du genre. Ça me tête pas tôt. Je me sens horriblement mal. Et le dit. Emmy rit. Mais t'as fini, non? J'ai dit que tu ne pouvais pas, mais tu as pu. Ça n'a pas valu le coup. Ouais, une petite crise cardiaque contre 500 mètres. Worse? Je suis pas sûr et je vais vraiment pour le dire. Le petit sûr que j'ai eu. Tout à l'heure, n'est pas parti. Partage la vidéo. Laquelle? Celle où il fait debout? Même si mon cœur est faible. Celle où il fait debout en parlant d'autre chose? Oui. J'ai dit ça. C'est une blague. Il n'y a pas de vidéo comme ça. Je l'ai pas vu en tout cas. Je suis foutu ce matin. Je serai peut-être demain aussi. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui fait oh, j'ai mal à la bite. Qui est cette personne? Petit jeu. Quelle est la personne ayant dit oh, qu'est-ce que j'ai mal à la bite? Qui a dit ça? Je peux donner des indices supplémentaires. Du fait qu'il est certain que je ne vais pas m'effondrer, Amy se met à sprinter, il connaît pas. Ou sinon, ah, ce serait bien qu'il meure d'un truc bien chiant et bien nul, genre une otite du cul. Ou putain, t'es mort comme ça. Toujours pas. T'as loupé une partie de ton enfance, écoute. C'est un certain streamer qui a d'ailleurs menacé d'aller s'immoler. Devant des locaux d'une boîte. Je ne sais pas vraiment comment elle a pu sprinter par coup un moment. Mais il donne bien meilleurs résultats physiques après tout. Ça commence par un S. Encore une fois, alors que je marche sur la piste, je ne peux pas m'empêcher de regarder Amy courir. C'est bizarre, mais elle est comme une personne différente quand elle utilise toute son énergie comme ça. Une fois que j'ai remarqué ses yeux, mais cette fois c'est sa bouche qui retient mon attention. C'est le clouche. C'est qui sous couche? C'est plutôt Sard. Il n'a pas son sourire normal. Sourire quand même, mais c'est qu'elle peut penser. C'est presque triste. Comme si elle menait un combat perdu d'avance. Mais sans moquer. Elle semble courir avec encore plus d'entrain. Comme elle l'a fait hier. La transpiration.
Sardou. Ah ouais, hein, faut chanter. Hein. Terre brûlée au vent des landes de pierre, un peu d'amour. Je crois que j'oublie une partie aussi. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. Je la connais peut-être un peu trop bien. Peut-être. Je rassure, j'ai bien 19 ans. La transpiration commence à couler le long de son visage. Elle continue d'avancer. Sa bouche s'ouvre, enfin, quand elle ne peut plus faire passer ce besoin d'air par le nez. Alors qu'elle passe comme une fois devant moi, les jambes forçant, les bras bougeant au rythme et ses lèvres légèrement entrouvertes. Non, c'était Sardoche, non. Mais je connais un peu trop la musique. C'est comme la musique qui fait begging. Je sais qui elle vient alors que je devrais pas, c'est une musique des années 80. La musique fait begging, begging you. Bah, je sais d'où elle vient et c'est une musique des années 80. Je devrais pas. Je suis dans les années 2000, je devrais croire qu'elle vient des années 2000. Voilà, comme tout le monde. Qu'on ait vu tous les deux. On a tous les deux fait quelques tours de T1 pour baisser le rythme. Emmy revient à son état normal. Transformation est terminée. Pas mal aujourd'hui, Sao. Il y a presque de l'admiration dans sa voix. Comment ça? Je me serais arrêté si je ne m'avais pas crié dessus. Emmy rougit un peu, semblant embarrassé. Désolé, même ça, pour ça, mais je peux juste pas supporter de voir les gens abandonner. Surtout pour quelque chose comme ça. Dire je peux pas continuer alors que tu es en train de continuer en même temps est bête. C'est juste pour ça. Quoi, dire des choses bêtes? Il me tire la langue. Il a dû montrer que tu es en vie. Montrer que je suis en vie. Je ne savais pas que ça devait être aussi douloureux. Mais ça fait quand même du bien. Alors quand tu te prends un truc, c'est aussi douloureux, ça fait quand même du bien. Lama, il s'en tient garant. Et puis en plus, c'est un des jours les plus durs. Comment ça? Oui, voilà. Lama confirme. C'est douloureux, mais ça fait du bien. Je vois que tu commences à t'entraîner, c'est difficile le premier jour, vraiment dur le second, plus facile le troisième. Alors, je rectifie. C'est difficile le premier, c'est difficile le deuxième, c'est difficile le troisième. Non. Attends, c'est passé? Comment ça s'est passé, Deep Drop? Comment ça s'est passé? Comment ça, Twitch? Genre, il parle de gland, le mot est pas passé. Genre, tu peux dire un gland de chêne? Le gland d'un chêne est tombé ce matin, ça ne passe pas. Tu peux dire je m'étouffe. Je suis en deep throat. Deep throat, y a pas de problème. Putain, Twitch. Ils ont pas leur priorité au bon endroit quand même. J'arriverai pas à le dire. Attends, ça se prononce comment cette main? Ok. J'arrive toujours pas à le dire, tant pis. Des jours qui sont vraiment durs, mais ils arriveront de moins en moins souvent. Mais ça finit par devenir vraiment facile. Non. Ouais, bien sûr. Non. Alors là, tu vas augmenter les difficultés, sinon tu progresseras jamais. Oui. Tu feras ça trop facilement et perdras le sentiment d'accomplissement. Une joie à courir plus que 4 tours. Oui. Yeah, mais avant un moment, tu dois faire attention, tu sais. Oui. Pensez, frappe ennemi, son visage s'illumine. J'ai compris. Putain, moi j'ai pensé, ouais. J'ai trouvé! Putain, j'ai les pires rêves! Putain. Vraiment les pires rêves, compris quoi? Tu peux venir avec moi pour voir l'infirmier, comme ça tu t'effondreras pas à rien de mort ou quoi que ce soit. Y'a vraiment charme. Quand? Tout de suite, bien sûr. Tu vas avoir besoin de prendre une douche et tout, hein. On n'a pas beaucoup de temps alors. Mettre en pas la main, elle part, maintenant avec elle. Oh, j'arrête là. Bon, j'arrive toujours pas à faire pause. Bon, j'espère tout ce que ça vous a plu. N'hésitez pas à follow si ça me serait beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Dormez bien et à demain sûrement.
Salut à tous. Bonne nuit. Je ferme le stream après, bien évidemment. Bonne nuit à tous. Ciao.